Un bloc de glace. Ou ça, à Terrebonne, il neige. Fuck, il y a ça de la misère. Le déneigement il est là, mais ça tombe tellement fort que ça tombe trop fort pour que ce soit. Pour le moment, ça devrait se calmer vers fin de l'après-midi. Il n'y a pas de sel parce qu'il fait trop froid. Le sel, il agit à moins 10 et moins. Mais quand on est à moins 12, moins 13, le sel ne fait pas effet. Moi, honnêtement, j'aime bien mieux rouler dans la neige que rouler dans ce lot. Je suis rendu sur ta chevaux à Longueuil. Ça, les bandes de neige fortes là, en ce moment là, sont toutes au sud de Montréal, en s'en allant vers la frontière. Et c'est ça, c'est très important que le monde allume leur lumière parce que. Tout le monde n'allume pas leur lumière. Il y a le chauffeur de taxi qui coupe, pas de clignotant, pas de lumière allumée. Déjà une différence entre Varennes et Longueuil. Si la neige forte recommence. Sur la vidéo, ça a de la moins pire. On a des vents, ben on a déjà des vents, là. On a des rafales de vent de 50-60 km/h.
Donc, où qu'il n'y a pas de vent, c'est pas si pire. Mais quand on est à hauteur des champs, là, là on voit que c'est... on voit que c'est très venteux. En ville, c'est moins pire. Donc, moi, j'ai des petites affaires à faire. Fait que je vais revenir en live plus tard pour vous montrer la situation. De toute façon, je m'en vais dans... Je vais m'en aller vers Rougemont. Donc, je vais vous montrer de quoi ça a de l'air au loin. Plus loin, dans le 15 à 20 cm. Donc, on se reparle tantôt. Il est présentement 16h06. La tempête commence à se calmer dans le sud du Québec. L'intensité de la neige allait baisser un peu. Ça va continuer à tomber faiblement encore, mais rien à voir avec ce qui tombait tantôt. Ouais, je suis sur la 112, direction la caserne. Salut Eric! Ouais, le monde reconnaît Carignan. Ceux qui ont passé par Carignan, là, la 112, il n'y a pas de trafic. Ça va quand même bien. C'est enneigé un peu, mais ça va bien. On va voir un peu quand on va sortir de Chambly, là, de quoi ça a de l'air, les vents. Là. Mais ici, il n'y a pas de vent parce qu'on est dans la ville. Là. Mais c'est sûr que dépasser Chambly, là, genre Marieville, là, ça va ouvrir. Salut Mathieu, salut tout le monde. Ah, je suis toujours prudent, moi. Leur distance entre les chaînes de trottoir. Et donc, au total, là, on a facilement eu entre 15 cm et 20. Là. Il reste à surveiller. À 11h le matin, on était déjà rendu à 13 cm à Varennes. Donc, ça vous donne une idée pour les autres régions. Là. Oh! L'essence à 1,71,9 à Chambly. C'est clair que je gaze pas ici. Je vais plutôt gazer à 1,56 à Saint-Césaire. Quand même une bonne différence. Oh! Opération de déneigement à l'autre côté. Crevier est combien? Crevier à... Ouais, ben c'est ça, je vais voir, là, rendu...
Normalement, il y a une couple de scènes de moins plus bas. Là. Doit être 1,66. C'est quel fun là. Fait que là, on a eu de la neige aujourd'hui. Demain, on a une petite accalmie. Puis on recommence la neige dimanche. Donc, je vais checker le modèle tantôt là, pour savoir là, combien de centimètres dimanche, puis qui est touché. Là. Je sais que la région de Montréal est touchée là, par la neige dimanche. Fait que là, ça va être surveillé, voir est-ce qu'on va avoir encore une surprise comme aujourd'hui ou ça va être vraiment faible. Bonjour tout le monde. Je suis tanné. Ah ouais, mon petit excité. Hein? Lui, là, le camion beige vient de passer, là, depuis tout à l'heure qu'il pousse dans le cul, dans votre gauche. Puis là, ben, pèse le gaz dans le tapis, puis ça en a la lumière. On va arriver à la lumière en même temps. Moi, je suis pas tanné. Moi, je trouve ça. C'est merveilleux. De la neige, du fret, de la neige. Moi, plus longtemps ça dure, plus je vais être content. Ensuite, on aura les orages. Pour une fois que ça ressemble à l'hiver, quand on n'a pas de la marde comme l'autre fois, là, la grosse pluie. Donc, ça va faire du bien pour les sports d'hiver parce que j'étais faire un tour à Bromont hier, là, puis c'était sur le gazon. Fait que la neige qui est tombée aujourd'hui, ça va faire du bien. Là. Donc, sur le radar, il y a encore de la neige, là, rive sud de Saint-Jean, l'Ange Gardien. Ouais, je suis sur la 112. 112 direction Rougemont. Parce que je suis à Kazan toute la fin de semaine avec la PAM. Donc, ouais, ben c'est ça, Francine, je gosse à Saint-Césaire. Là. À Saint-Césaire, il est toujours moins cher. Là. Pressé d'aller vite, sont fatigants ceux-là. Ouais. T'es aujourd'hui, là, faut pas que tu sois pressé. Là. T'es mieux d'arriver à destination correct avec un char brisé ou passer la fin de semaine avec un char de courtoisie. Là. Là, on commence à dépasser Chambly, puis là on voit déjà les vents. Donc aussitôt qu'on va arriver dans les champs, là, l'autre bord de Chambly, là, c'est sûr que ça va être la fouderie à côté. Là, tantôt, je sais qu'il y avait plusieurs personnes là, qui écrivaient que je roulais vite. Là. Je roule pas vite. La caméra fait que j'ai l'air de rouler vite. Le gars en avant de toi il ne semble pas voir que c'est l'hiver qui roule. Ouais. Ouais, il a clenché. T'sais, rouler vite, c'est une chose, mais être prévoyant, c'est un autre. T'sais, tu peux rouler un petit peu plus vite, mais faut que tu prévoies que si jamais il faut que tu freines d'urgence, tu vas être correct pour freiner sans aller frapper l'autre. C'est ça le problème, c'est que le monde ne prévoit pas. Le monde roule vite, puis là, quand ça freine, ben ça freine, puis là, ben ça frappe. Tantôt, là, c'était débile, là, le nombre d'accidents qu'il y avait, là, ça à 30, 132. C'est tous des accidents, toutes des pertes de contrôle. Là.
1,55 au Crevier. C'est bon. Puis surtout, allumez vos lumières, gars. Un véhicule à droite, les lumières ne sont pas allumées. En avant, ne sont pas allumées. L'autre en avant, ne sont pas allumées. Puis en plus de ne pas être allumées, ben, elles sont enneigées. Ici, on va ralentir parce qu'il y a une côte, une descente. Et plus je vais m'en aller vers le sud, de plus la neige va continuer parce que ça devrait tomber encore une partie de la soirée. Sur le pont de la 112. Donc, chez vous, y a-tu bien de la neige? En tout cas, on a de la neige, là. C'est sûr que c'est pas comme le Saguenay, lac Saint-Jean, là. Là où c'est incroyable, là, j'ai vu une couple de photos, là, tabarouette. La neige, il en manque pas. C'est le fun d'avoir ça ici. Bande de neige plus forte qui vient de se former au-dessus de moi, là, sur le radar. Moi, j'appelle ça, là, quand il neige, là, après qu'il y a une tempête, là, tu sais, il y a toujours une faible neige après, là, j'appelle ça une neige de finition. C'était la grosse tempête, ça tombait fort, puis après ça, tu finis ça avec une petite neige. Saint-Bernard de la Colle, 23 cm. L'Anaudière Sainte-Mélanie, plus rien qui tombe. Napperville, il y a beaucoup, puis c'est pas fini. Lynn, je suis à Richelieu, sur la 112. Très glissant dans les bois francs. Bon, l'essence ici, 1,63. 1,63 à Richelieu. Lac mégantique. J'ai pas le temps de lire. On arrive dans les vents. On va voir de quoi ça a l'air. On n'est pas dans les vents encore. Va
là-dessus, là, juste de même, de 1, 2, 3, 4. La plupart du monde n'ont même pas les lumières allumées. Hein. Dans les vents. Mais il n'y a pas tant de poudrerie que ça, c'est pas si pire. Comme il me dépasse, puis il était avec un bébé. Bravo. Pas sorti trop mauvais à Saint-Alexandre. Ah, c'est sûr que les rangs, là, ça doit être... Pourquoi ça freine? Pourquoi ça freine? Pas les lumières allumées, il y a un petit peu de neige, il roule super pas vite. Très bonne position pour se faire frapper. Bon, Crevier est à 1,59. Glace sous la neige en plus. Ouais. Ici de la poudrerie puis la chaussée est glacée. Ce qui est bon à qui vendre, c'est que pas grand cycliste sur la piste cyclable. Non, comme on dit, c'était comment? Un peu trop de vent. Un peu trop de vent, un peu trop de neige. Donc, il y a de la poudrerie, mais c'est de la poudrerie basse. Ici, l'avertissement de neige, je pense, est toujours maintenu. C'est ça la jaune qui a freiné ça et puis fait une perte de contrôle. Là. Bon. Il y en a un qui se promène en avant. Valleyfield, Accalmie. Ouais, Valleyfield, c'est pas mal fini. Là. Ça va y aller graduellement. Là. Disons que là, Montréal, c'est pas mal fini. Valleyfield aussi. Le Richelieu, où je suis en ce moment, ça va bientôt. C'est terminé. Il y a juste l'Estrie qui va... Wouhouhouhou! Si vous avez vu un peu, là, c'est... Quand t'es un peu nerveux sur la route,
puis qu'il y a une vanne qui passe de même. C'est un peu stressant, là, mais... La chose à faire quand ça fait ça, là, c'est ben, de rien faire. D'attendre que ça passe. Si tu breaks, ben ça, c'est la pire chose. La personne en arrière de toi, elle va soit te rentrer dedans. Puis si t'accélères, mais si t'accélères puis l'autre en avant de toi, il break, ben là, tu vas y rentrer dedans aussi. Là, on arrive dans la pouderie. Ici, là, c'est toujours pouderie. Bon, tu t'es excité en arrière, tu veux t'embarquer dans ma valise? Ouais, cette bout-là est toujours dangereux, mais c'est pas si pire. Ouais, j'étais à Saint-Césaire. On est à moins 13. Là, on a une autre section de pouderie ici. C'est pas si pire, là, c'est pas mal de la pouderie basse. Donc la pouderie est au sol. La visibilité est bonne quand même. Sauf que le vent a fait qu'il n'y a pas grand neige dans les champs. Il manquait de la neige, mais là les vents font comme le nettoyage du sol. Là. Le petit bout là, de Marieville. Là. Marieville en s'en allant à Rougemont. Là. Ah, le monde qui se roule, il roule ses routes. C'est pas parce que tu roules ses routes en plein jour que ça va éclairer. Tu vas être plus visible, tu vas juste avec les autres. Section. Wow! Ouais, les champs de motoneige, là. Tu sais, c'est en plein ça qu'il faut pas qu'il fasse, il break pour rien. Puis j'ai l'autre en arrière aussi que s'il est capable d'embarquer dans ma valise, il va embarquer.
Ouais, je suis sur la 112. Direction Rougemont. Je m'en vais à la caserne toute la fin de semaine. Ce chemin-là à prendre, là, c'est quand même correct. Là. L'après-midi, c'était intense. L'après-midi, j'étais avec mon dos roux, là, je voyais même pas en avant du truck. Je voyais pas en avant du truck, puis je me faisais clencher pareil, par la gauche. En ce moment, les roule sur deux voies. Ouais, ça se peut que ça coupe. Et checkez bien ça. On a une voie droite partiellement enneigée, puis là, checkez bien le gars, checkez bien le char passer dans la neige à gauche. Hey. Sa face à Sorel. Bulletin spécial terminé. Vois-tu le rendu à Rougemont? La neige reprend. Fait que pour ceux qui s'en vont vers l'Estrie, là, vous allez être dans la neige. À partir de Rougemont. Hein, ça roule-tu vite? Là, Eric, j'étais avec la PAM. La PAM, là, c'est à Rougemont, là. C'est les pompiers auxiliaires de la Montérégie. Donc, quand il y a un feu puis qu'il y a des sinistrés, ben on est appelé pour pour aller les aider. Puis ça, c'est bénévole, là, je suis pas payé pour faire ça. Donc là, ça donne que je garde à 17h ce soir jusqu'à dimanche. Dimanche 17h. Donc je passe la fin de semaine bénévole à la caserne. Pour si jamais il y a un feu à quelque part, je vais venir
je vais venir être en support avec les pompiers. Le gars, il freine. Fait que c'est ça, ma vie, c'est je suis camionneur chez Rona. Les fêtes de semaine, je passe à la caserne pour aider aux sinistrés. Puis quand il fait mauvais, ben, je suis sur le terrain pour vous tenir au courant. Fait que le gaz est à 1,56. Puis je pense que c'est la première fois que je vois autant de monde que ça. On va attendre. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne soirée. Puis, on se reparle. Je vous fais un autre bulletin plus tard. Là, je vais voir c'est quoi les accumulations de neige qui annoncent dimanche. Donc, ouais, bénévole. Aucun argent que ça. Fait que je fais ça depuis 3-4 ans, je pense. Fait que c'est ça. C'est pas mal ça, ma vie. Il est à 1,56 pour à Rougemont. Donc, si vous avez à faire le plein, le Rougemont, Saint-Césaire, l'Ange Gardien, c'est tout le temps moins cher qu'à Montréal. Là. Fait qu'il va-tu à Chambly, il est à 1,71,9. Puis là, en ce moment, à Rougemont, il est à 1,56. Fait que, tu sais, essaye de comprendre qui vole qui. Tu sais, pourquoi qu'une place, la cause est moins chère. C'est toute la même gaz, là. Fait que, sur ça, bonne soirée à tous. Soyez prudents sur la route. Puis, on se reparle bientôt. Salut tout le monde.